Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Une question m'a été posée concernant ma petite boîte surprise et la façon dont j'avais colorisé mes petites fleurs par-dessus. Alors je vais vous faire une petite série de vidéos concernant la coloration de vos plaques d'embossage à froid. Donc embossage à froid, là c'est les roses qui sont en cadeau pour le Celebration. C'est celui que j'ai utilisé. Après, bon, ben, vous avez toutes les plaques que vous pouvez coloriser facilement. Donc, première vidéo, ça c'est la plus simple, c'est utiliser. Une fois que vous avez essayé d'utiliser les petits doigts encreurs comme ça, qui sont bien pratiques et qui permettent de coloriser juste ce que vous avez besoin de coloriser. Donc les petits doigts encreurs, j'en ai un peu de toutes les couleurs. Donc, on va commencer par tout ce qui est vert. Donc vous frottez vraiment très très légèrement sur les parties qui sont en relief. Donc c'est assez simple à faire. Ça vous permet d'avoir quelque chose de très coloré. Après, on va utiliser un petit rose pour faire une rose. Le rose en plus, c'est pas grave. Voilà, on va mettre des tout petits coups comme ça, très très léger. Vous pouvez faire des petits effets en passant un tout petit peu plus certains endroits. On va mettre un peu de jaune. Voilà, alors voilà, façon très simple de coloriser vos plaques d'embossage à froid. Voilà pour la première vidéo et je vous ferai voir d'autres petits trucs tout à l'heure. Bonne création, à bientôt!